Torah nous donne, mes amis, une leçon de vie sublime, sublime. On vient de le lire dans la paracha Shabbat qui est passée. Le peuple juif sorti d'Égypte, après 210 ans d'esclavage, 210 ans de souffrance, de torture, de misère, la Torah, elle vient, elle nous dit attention. Dieu, il vient, il nous dit attention. L'Égyptien, s'il veut se convertir, s'il veut rentrer dans le Ham Israël, s'il veut rejoindre notre peuple, laisse-le rentrer. Ne lui ferme pas la porte. Comment ça, ne lui ferme pas la porte? J'ai pas compris. Il m'a fait vivre les pires atrocités du monde pendant 210 ans, H24. Je vais le laisser rentrer dans mon peuple, lui? Mes amis, Dieu, il nous dit, laisse-le rentrer. Alors, c'est quoi la logique, mes amis? Écoutez bien. L'Égyptien, nous dit la Torah, l'Égyptien, il t'a fait du mal? Ouais, c'est vrai. Mais il t'a fait aussi du bien. L'Égyptien, il t'a fait du bien. Il t'a reçu sur sa terre. Quand c'était la famine dans le monde entier, il s'est occupé de ton ancêtre Yaakov Avinu. Il s'est occupé de toi, il t'a nourri, il t'a hébergé sur sa terre. Ça, tu n'as pas le droit de l'oublier. Oh, mais attends, mais il m'a fait du mal, il m'a fait souffrir l'Égyptien. Oui, mais il t'a fait du bien. Et pour le bien qu'il t'a fait, j'attends de toi que tu sois reconnaissant sur ça. Ta belle-mère, c'est la pire belle-mère de la planète. Elle a battu tous les records, ouais. Elle fait du lashon hara sur toi. Sans arrêt, elle te fait des remarques. Sans arrêt, elle te cherche la petite bête. Elle te pourrit la vie, ouais. Elle te pourrit la vie. Mais une fois, tu lui as déposé des enfants. Elle te les a gardés pour que tu puisses partir au resto avec ton mari. Elle te les a gardés pour que tu puisses partir une petite semaine au ski avec ton mari tranquille. Jusqu'à ton dernier souffle, elle nous dit la Torah. Tu lui dois la reconnaissance pour ça. Une fois, t'as rendu service. Pas toutes les semaines, t'as besoin d'elle, elle est là au garde à vous. Une fois, t'as pas le droit d'oublier. Il n'y a pas, je mets une croix sur ma belle-mère, elle n'existe plus, c'est fini, elle et moi, c'est terminé. Non, non. Reconnaissance. Reconnaissance. Mes amis, le seul peuple, sur tous les peuples du monde entier que Hachem nous interdit de faire rentrer à tout jamais, jamais il pourra rentrer chez nous. Ammoni ou Moavi. Ammoni ou Moavi. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, on s'attend à ce que la Torah nous dise des trucs de fous. Il nous a fait manger du porc, il nous a poussé à la débauche, il nous a fait faire Avodah Zara, l'idolâtrie. On s'attend à des trucs de fous. Asher lo kidmo etrem alechem ou bamaim, elle nous dit la Torah, mes amis, écoutez bien, quand on est sorti d'Égypte. Ils ne sont pas venus, ces deux peuples, nous proposer du pain et de l'eau. À cause de ça, elle nous dit la Torah, eux, ceux-là, là, tu les laisses pas rentrer, c'est fini, jamais. Eux et le Ham Israël, c'est mort. C'est mort. Attends, attends, deux secondes, là, je comprends pas. Il y a quand même des choses un peu plus graves, ouais, que de ne pas proposer à une personne un petit morceau de pain et un petit verre d'eau. Allô, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah, elle se déchaîne comme ça, mes amis? À tout jamais, les Olam, ils pourront pas rentrer chez nous, ceux-là. Écoutez bien. Le Ammoni, il descend de Lot. Ammoni, il descend de Lot. Et Abraham, il a sauvé Lot de la destruction de la ville de Sodome. L'ancêtre des Juifs, donc Abraham, il a sauvé Lot, ton ancêtre. Si aujourd'hui t'es en vie, c'est grâce au peuple juif. Et toi, t'es pas reconnaissant? T'es pas reconnaissant, tu vas pas lui emmener un petit peu d'eau, un petit morceau de pain? Il vient de sortir d'Égypte, le peuple. Le peuple juif, tu lui amènes pas un peu d'eau, t'as pas honte? T'as pas la reconnaissance? T'as pas la reconnaissance, il n'y a rien à faire avec toi. Tu rentreras jamais dans le peuple juif. L'Égyptien y rentre, toi tu rentres pas. Mes amis, parce que la base de l'être humain, pas la base du juif, la base de l'être humain, c'est ça. Ta femme, elle t'a fait 28 salades, table de Shabbat, 28 salades, guerre mondiale. Elle t'a fait couscous boulette, nikitouche, c'est un petit plat tunisien pour ceux qui ne savent pas, ouais, nikitouche. Elle t'a fait les ralottes, elle n'est pas partie les acheter en bas, traiteur en bas de la maison. Elle t'a fait les ralottes, elle t'a fait la mousse au chocolat, elle t'a fait le dessert que tu aimes. 15 heures, elle a passé dans la cuisine, baba. Mais Hachem, il nous attend là, messieurs. Hachem, il nous attend là. Plus qu'à n'importe quel moment de notre vie, Hachem, il nous attend ici. Il est où le merci? Il est où le merci, baba? La base de l'homme, c'est. Ça, c'est la base de l'homme. Pas la base du juif, la base de l'homme. Votre mari, mesdames, il vous emmène deux semaines au sport d'hiver. Bientôt les vacances d'hiver. Deux semaines au sport d'hiver. Hachem, il vous attend là. Hachem, il vous attend ici, c'est la chose, c'est des choses qui sont fondamentales, qui font de nous la base de l'être humain. C'est cette leçon, mes amis, que la Torah vient nous enseigner ici, c'est cette leçon qu'on doit essayer de prendre avec nous aujourd'hui et sur laquelle on doit travailler tout le temps, H24, tout le temps. À bientôt.